Bonjour à tous, quatrième semaine de confinement et nous sommes avec vous tous les jours dans cette édition spéciale gestion de crise du coronavirus, édition spéciale sur ETV et EFM RTL Guadeloupe avec vos appels toujours les bienvenus au 05 90 32 80 80. 05 90 32 80 80 pour nous exprimer votre ressenti, réagir à l'actualité et nous dire aussi comment vous vivez ce confinement. Plusieurs invités vont se succéder à notre standard. Jean-Claude Rode, le directeur de publication du Progrès Social, dont la dernière livraison est entièrement consacrée au Covid-19. Nous appellerons François Herman, le patron du parc aquacole de Pointe-Noire, obligé de trouver des solutions pour garder la tête, c'est le cas de le dire, hors de l'eau. Bruno Magra, le président de la COM de Saint-Barth, sera également en ligne avec nous d'ici une petite heure. Saint-Barth qui mobilise 2 millions d'euros pour tester toute sa population. Est-ce l'exemple à suivre? Très certainement. Le bac en contrôle continu, après le SPEG, réaction de la FSU Guadeloupe, rendez-vous est pris avec son secrétaire général, Eddy Ségur. La gestion du Covid-19 en commune, Gabriel-Louis Carabin, le maire du Moule, et Jean-Claude Pioche, le maire de la Désirade, également président sortant de l'Association des maires, seront en ligne avec nous en fin d'émission. Voilà donc pour le sommaire, nous sommes partis pour près de 2 heures d'actualité en direct, soyez les bienvenus. Pour commencer cette édition spéciale, nous avons au standard de TV et de FM Radio, Georges Azouz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Costa France, la compagnie de croisière bien connue dans notre région. Merci d'être en direct avec nous sur les antennes de TV et de FM RTL Guadeloupe. Costa, pointé du doigt pour avoir maintenu son programme de croisière dans la Caraïbe et ailleurs, alors que le risque Covid-19 était déjà prégnant. Que répondez-vous à ça ? Je réponds simplement que à l'époque, lorsque nous avions tout début mars décidé de maintenir les croisières aux Caraïbes, elles n'étaient pas, et surtout les conditions de l'épidémie à l'époque, avec les instructions qui étaient données par l'OMS, nous garantissaient de pouvoir opérer dans de bonnes conditions, en tout cas au début des croisières de Costa Magica et de Costa Favolosa. Je rappelle que à l'époque, l'Italie n'était pas encore en confinement total, et nous avions de ce fait demandé à l'ensemble des clients qui venaient des régions qui étaient impactées par le confinement de ne pas se présenter. Donc on avait aussi prévu des questionnaires très précis. Enfin, on a tenu compte des réglementations qui étaient à l'époque applicables à l'instant où les croisières ont commencé. Et d'ailleurs, lorsque nous avons commencé les premières croisières, les ports, les îles qui étaient celles des différents itinéraires n'étaient pas fermés à la croisière. Il se trouve que malheureusement, entre-temps, les choses ont changé et que nous avons de ce fait dû opérer dans des conditions qui étaient bien évidemment très compliquées compte tenu des circonstances. Mais je répète qu'au moment où nous avons procédé aux embarquements de la croisière, aussi bien sur Costa Magica que sur Costa Favolosa, les conditions étaient supposées être normales, à l'exception des régions confinées en Italie, qui elles, bien sûr, pour lesquelles les accès au bord étaient interdits. Oui, mais lorsque les choses se sont dégradées en Italie, il fallait peut-être agir, non ? Mais les choses se sont dégradées entre-temps, puisqu'après, il y a eu... les choses se sont dégradées progressivement, cher monsieur, parce que à l'époque, lorsque nous avons commencé nos croisières, encore une fois, les conditions étaient tout à fait normales. Je répète d'ailleurs que le 26 février, il y a eu un match disputé à Lyon avec 3000 supporters qui arrivaient de la région de Turin. Donc les autorités, que ce soit les autorités sanitaires italiennes et les autorités sanitaires françaises, n'interdisaient pas le fait de pouvoir partir. Les aéroports, les ports étaient ouverts à l'époque. Les îles étaient parfaitement capables d'accueillir les paquebots de croisière. Donc en fait, on était à même d'opérer à cette époque-là. Vous nous dites là que vous n'avez rien à vous reprocher. Je dis simplement, il n'est pas question de reprocher quelconque, bien évidemment que nous regrettons ce qui a pu se passer dans le contexte Covid, qui est une pandémie et qui, de ce fait, d'heure en heure, a évolué de façon assez compliquée. Ce que je veux dire simplement, c'est que nous avons agi en toute transparence par rapport à ce qui a pu se passer, tant au niveau des autorités, des îles, que des autorités
des territoires et des autorités sanitaires. Nous avons agi en totale transparence et nous avons, lorsque nous avons pu avoir les autorisations émanant des préfectures, procédé au débarquement de l'ensemble de nos clients. Le jour où nous étions en escale à Fort-de-France pour le Costa Magica, le décret national de fermeture des ports pour les croisières a été décrété. C'est la raison pour laquelle tout s'est passé de façon concomitante et que nous avons dû, à ce moment-là, prendre les décisions nécessaires et procéder à l'arrêt des croisières et au rapatriement de l'ensemble de nos clientèles. Oui, casser les prix, brader des croisières pour les publics guadeloupéens et martiniquais pour faire face à vos annulations, ce n'était pas très vertueux tout ça? Je ne comprends pas cet impact de pratique commerciale qui n'a rien à voir avec nos propos d'aujourd'hui, cher monsieur, puisque nous n'avons pas procédé à des bradages. Nous avons proposé nos croisières à des prix tout à fait abordables. Donc, je n'arrive pas à bien comprendre le sens de votre question. Bah écoutez, c'est le reproche qui vous est fait ici aux Antilles. Il y a eu des croisières bradées dans lesquelles se sont engouffrés des milliers de Guadeloupéens et de Martiniquais, avec les conséquences que l'on sait. C'est une question. Embarras, je comprends votre embarras, monsieur, je comprends. C'est un procès à charge. Nous sommes en opération en Guadeloupe depuis 25 ans. Pas du tout. Nous avons l'habitude de proposer des croisières à des prix les plus avantageux possibles en fonction du remplissage, en fonction des prix. Et en aucun cas, la fameuse semaine qui a connu les événements que nous relatons aujourd'hui n'a pu avoir de différence par rapport à ce qui se passe habituellement. Encore une fois, nous avons agi en toute transparence. Nous avons été à même de prévoir les croisières au moment où c'était possible. Nous avons parfaitement été en règle avec les règles sanitaires de l'époque. Lorsque nous avons eu des doutes, nous avons en toute transparence alerté les services sanitaires et nous avons procédé ensuite sur la Martinique et la Guadeloupe au rapatriement de nos clients qui viennent des îles ou qui viennent en fait de métropole ou d'Europe, puisque nous avons organisé une quinzaine de charters au départ de Guadeloupe pour rapatrier dans les meilleures conditions possibles nos clients. Oui, non, mais nous ne sommes absolument pas à charge, monsieur. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez accès à notre antenne, parce qu'il est important qu'on entende la compagnie Costa Croisière, hein, puisque, bon, vous imaginez qu'on a tiré sur vous à boulet rouge au niveau de l'opinion locale, mais pas seulement locale. Vous comprenez l'indignation ici, lorsqu'on parle de Costa Croisière aujourd'hui ? Non, mais je ne pense pas que Costa Croisière a introduit ou a agi de façon inappropriée par rapport aux circonstances. Je rappelle que c'est une pandémie. C'est une pandémie internationale qui actuellement mobilise et qui a rendu en confinement chez elle plus de la moitié de la population, si c'était plus que la population mondiale, que nous avons nous-mêmes, encore une fois, assuré les croisières dans les meilleures conditions possibles compte tenu des circonstances, que nous avons agi en toute transparence, que nous avons mis en place un maximum de possibilités de règles sanitaires que nous avons mises en place, que nous n'avons pas, voulu porter atteinte à quiconque, que nous avons jusqu'à la fin essayé de faire en sorte que les choses se passent dans les meilleures conditions possibles pour l'ensemble de nos clients, que nous sommes encore une fois très très attachés aux îles antillaises de Guadeloupe et de Martinique avec lesquelles nous travaillons depuis plus de 25 ans. Et que, en fait, nous ne comprenons pas pourquoi, spécifiquement, Costa serait montré du doigt de façon aussi forte et aussi agressive, alors que nous avons été à même d'agir rapidement de la façon la plus cohérente possible avec la meilleure transparence vis-à-vis des autorités, d'ailleurs que je salue, puisque j'étais moi-même sur la Martinique et sur la Guadeloupe, pour procéder, en fait, au rapatriement de l'ensemble de nos clients. Oui. Et je peux vous dire que j'ai eu, de la part des autorités, qu'elles soient préfectorales ou des autorités sanitaires ou des autorités, par exemple, de la police, qui nous ont accompagnés dans ce très difficile processus qui a duré 3 jours de rapatriement, que ce soit de la clientèle antillaise ou de la clientèle qui était de métropole ou d'ailleurs, nous avons en fait assuré, à raison de 15 charters, en l'espace de 3 jours, ce rapatriement sanitaire dans les meilleures conditions. Je ne vois pas, si vous voulez, je déplore moi-même le manque d'informations qu'il a pu avoir
à la fois sur les personnes qui les ont embarquées que les personnes qui étaient sur les bateaux. Mais pour avoir des informations et les communiquer, il fallait que nous puissions avoir le temps de communiquer avec les autorités sanitaires d'une part et les autorités préfectorales de façon à comprendre véritablement comment agir et ça a pris du temps. Et ça je le regrette, je le déplore et j'espère que les personnes qui étaient à bord ne nous en voudront pas. Ce qui a pu choquer localement, c'est qu'à bord, vous aviez des porteurs du virus Covid-19. Ben, vous savez, le problème, il y a des porteurs de Covid-19 actuellement sur l'ensemble de la planète. C'est pas Costa, c'est pas nous-mêmes qui avons mis. À partir du moment où nous étions informés de ces cas, nous avons procédé immédiatement au débarquement, accompagné encore une fois par la préfecture, que ce soit la préfecture de Martinique ou la préfecture de Guadeloupe, avec les meilleures conditions sanitaires possibles. Nous avons bénéficié d'un couloir sanitaire lorsqu'il a fallu faire débarquer les clients. Les clients qui ont débarqué de Martinique et de Guadeloupe ont bénéficié de toute l'assistance, à la fois encore une fois de l'Agence régionale de santé et de la Croix-Rouge, qui ont pu nous aider en fait à sensibiliser, à faire rentrer chez eux, et ensuite donc à faire partir des clients vers les différents vols charter sur un protocole qui était strict, organisé, et qui avait pu nous permettre de débarquer, encore une fois, à peu près 5000 clients en l'espace de 3 jours sur les 2 navires. Si vous nous rejoignez à l'instant, là je m'adresse à nos auditeurs et téléspectateurs, nous sommes en ligne avec Georges Azouz, le président de Costa France. Monsieur Azouz, c'est donc un mauvais procès qui est fait, à vous entendre, à la compagnie Costa. C'est pas un mauvais procès, on parle pas de procès ici. On parle simplement d'un témoignage, d'une vérité, en tout cas c'est la nôtre, celle, la version de Costa, celle que nous avons mis en place, les actions qu'on a menées, les équipes qui étaient sur place de façon à pouvoir, dans ces conditions-là, qui est des conditions difficiles à la fois pour les clients, et ça nous le regrettons formellement, et aussi pour l'ensemble des équipages et nos clients, nous avons mis en place un protocole, encore une fois, en toute transparence avec les autorités sanitaires et les autorités locales, de façon à pouvoir rapatrier, et faire rentrer chez eux le maximum de nos clients. Ça s'est fait en 3 jours. Depuis, en fait, après une dizaine de jours, nous avons pu aussi procéder au rapatriement de nos équipages qui sont maintenant rentrés chez eux et qui ont pu débarquer, puisque aucune île des Caraïbes n'a pu autoriser le débarquement de nos équipages. Il a fallu attendre d'arriver en Floride pour pouvoir faire débarquer nos équipages. Donc nous avons de ce fait pu procéder en fait à l'évacuation et au rapatriement de nos clients de façon la plus transparente et la plus claire possible. Ça va être compliqué pour vous, comme pour toutes les compagnies du reste, de relever la tête après cette crise. Pour l'instant, j'imagine que vous n'avez aucune visibilité là. Je pense, monsieur, que ça va être compliqué pour l'ensemble d'entre nous et pour une très grande partie de la population et de par le monde, compte tenu de ce qui se passe actuellement. C'est une situation inédite. Là, actuellement, on est tous confinés dans nos maisons, on est tous confinés, mais viendra le temps certainement où nous allons pouvoir sortir de ce confinement et revivre, hein, c'est-à-dire sortir, aller prendre un verre dans un bar, dans un restaurant, revoir des amis, revoir de la famille et aussi voyager. Actuellement, le tourisme est complètement figé dans le monde entier. La croisière n'échappe pas à ce système de confinement. Lorsque les choses vont, je l'espère, le plus vite possible, retrouver un certain type de normalité, eh bien nous allons pouvoir réenvisager de reprogrammer nos croisières. Actuellement, elles sont suspendues jusqu'à la fin avril, mais rien ne dit qu'en fait, on ne va pas prolonger ce délai. Lorsque nous aurons la capacité de reprogrammer nos croisières, je pense que nos clients reprendront la direction de nos bateaux sur des croisières, comme elles le feront sur d'autres formules de déplacement ou de vacances. En tout état de cause, la saison de la croisière sur les Antilles, elle est figée, elle ne va pas reprendre. Vous parliez du mois d'avril, mais vous envisagez... Sur les autres destinations, on est bien d'accord. En fait, on est bien d'accord. Il nous restait 2 croisières sur chacun des navires avant d'apparier sur les transatlantiques. Donc c'est sûr que nous reviendrons, je l'espère, dans les meilleures conditions possibles à partir de la saison 2021.
Oui, donc 2021, ouais, il faut déjà se projeter, j'allais dire, dans des conditions difficiles. Ça risque d'être une prochaine saison très compliquée. Hein. De toute façon, encore une fois, il va y avoir un redémarrage de l'ensemble de l'activité. Je reste persuadé que compte tenu de l'attachement que nous avons ici en Guadeloupe et en Martinique avec l'antériorité, l'histoire de Costa sur ces îles, une fois que la situation redeviendra normale, je suis persuadé que nos clients apprécieront de repartir en croisière avec Costa. Nous avons organisé un nombre infini de croisières depuis 25 ans. Nous sommes sur Pointe-à-Pitre depuis 1995 et j'ai eu l'honneur à l'époque en tant que jeune chef des ventes d'être présent à l'époque. Nous avons donc toute une histoire avec les Antilles, toute une histoire avec la Guadeloupe. Nous avons fait voyager des millions de touristes qui sont venus découvrir la Guadeloupe depuis toutes ces années. Nous sommes le seul opérateur à être présent depuis toutes ces années et nous avons un attachement, nous avons une proximité avec la Guadeloupe qui est très très forte. Je suis persuadé, je parle aussi bien sûr de la Martinique, je suis persuadé que la croisière va retrouver son enchantement, va retrouver un peu sa magie et que je rappelle aussi que plus de 30% des Antillais sont déjà partis en croisière. C'est le taux de pénétration de la croisière le plus fort qu'on puisse trouver sur le monde entier. Hein, c'est supérieur à ce qui se passe aux États-Unis. Il y a entre 6 et 8% d'Antillais qui partent en croisière chaque année. Je suppose que c'est une période extrêmement bouleversée, bouleversante et certainement douloureuse pour l'ensemble des personnes dans une infinité de pays. Et je suis persuadé qu'au bout de quelques temps, lorsque l'épidémie et la pandémie sera jugulée, qu'on va revenir à un taux, de vie normale, nous aurons la capacité, encore une fois, de faire naviguer de nombreux Antillais sur nos croisières. Il faudra de toute façon tirer les enseignements de cette crise et de sa gestion, s'agissant de la sécurité sanitaire des croisiéristes à l'avenir, à bord de vos bateaux. Et monsieur, j'ai juste une question à vous poser. Pensez-vous qu'il est plus dangereux de partir en croisière que de se retrouver dans le métro ou dans le RER ou dans un train ou dans un avion? Pensez-vous qu'à un moment donné, la croisière soit la seule capable en fait, d'être un univers pas forcément extrêmement sécurisé? Je ne vois pas trop le procès qui est fait actuellement à la croisière et surtout à Costa dans ce contexte-là. C'est une pandémie. C'est une pandémie mondiale. C'est une pandémie qui touche l'ensemble de la planète avec des personnes qui sont souffrantes et qu'il convient de soigner dans les meilleurs délais. Les conditions sanitaires sur un paquebot de croisière sont souvent absolument irréprochables. Il se trouve que là, il y a une pandémie. Nous y avons répondu de meilleure façon que nous pouvions le faire à l'époque, compte tenu des circonstances. Nous avons encore une fois agi en totale transparence avec les autorités sanitaires pour déclarer les cas suspects qui étaient présents à bord. Il y avait, je rappelle, sur chacun des deux bateaux, plus de 4000 personnes entre eux, les personnels et les clients. Je pense que véritablement, une fois que je dirais que la pression sera retombée, on fera la part des choses et encore une fois, nous serons à même de revenir sur les Antilles avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Très bien. Quelles conséquences sociales pour vous au niveau de Costa Croisière avec cette affaire? La situation de la croisière et la situation de Costa et du groupe Carnival en général est celle de l'ensemble des acteurs du tourisme, hein, c'est-à-dire que nous sommes actuellement arrêtés puisque l'ensemble de nos paquebots est actuellement vide de ses clients et pratiquement aussi vide de ses équipages puisque à part un navire qui est en tour du monde, hein, qui était parti en croisière autour du monde, le bateau arrivera fin avril sur la Méditerranée. Actuellement, il n'aura pas d'escale puisque les ports dans le monde pratiquement ont cessé leur accueil au paquebot de croisière. Donc en fait, le bateau s'achemine et navigue en direction de la Méditerranée. C'est le seul paquebot actuellement de Costa qui dispose encore de clientèle à bord.
à bord tout se passe dans les meilleures conditions possibles compte tenu des circonstances et ils arriveront fin avril. Actuellement, évidemment, nos opérations sont arrêtées. On a pour l'instant un arrêt des croisières jusque fin avril, mais à mon avis, il se peut que nous soyons encore dans la capacité de retarder un peu ce départ. Et puis nous allons, en fonction des mesures de déconfinement proposées dans l'ensemble des marchés, recommencer en fait nos croisières en Méditerranée et dans le nord de l'Europe pour ces mois de mai-juin et ensuite recommencer nos opérations croisières. Mais évidemment, comme vous pouvez vous en douter, comme l'ensemble des industries et comme l'ensemble de l'industrie du tourisme, nous sommes à l'arrêt actuellement. Les escales de Guadeloupe, de Martinique restent pour vous plus que jamais des points d'ancrage stratégiques dans la zone ? Oui, ce sont des programmations d'hiver qui sont absolument le must dans le catalogue d'hiver, parce que ce sont des croisières au départ des Antilles françaises vers les îles Caraïbes, que ce soit les îles du Nord ou les îles du Sud. Encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, ça fait 25 ans que nous sommes présents. De toute façon, Costa a toujours été présent aux Caraïbes, puisque depuis les années 50, on est là. On est présent depuis 25 ans en tête de ligne sur Pointe-à-Pitre. On l'est de façon plus récente aussi sur Fort-de-France. On a deux paquebots qui sont tout l'hiver sur des croisières de 7 jours, voire de 14 jours. On a, je vous le disais tout à l'heure, fait voyager je ne sais pas combien d'Antillais depuis toutes ces années, des clients fidèles qui nous suivent, qui viennent d'année en année, qui quelquefois sont là à faire deux croisières par an avec Costa. Il y a entre Costa Croisière et la Guadeloupe une grande histoire dont je suis un peu le témoin, puisque j'étais à l'époque, encore une fois, je vous le redis, le chef des ventes et directeur des ventes qui avait participé à la mise en place de ces croisières à l'époque. Moi, j'ai le souvenir d'une très longue et d'une belle collaboration entre nous, sans parler de ceux qui embarquent, les Antillais qui embarquent sur ces bateaux. On fait venir énormément d'Européens et de toutes nationalités qui sont présents à bord et qui viennent visiter la Guadeloupe et la Martinique. Donc c'est un vecteur de développement, de communication, un vecteur de développement économique, la croisière qui est important pour les îles. C'est aussi devenu en l'espace de quelques années le premier mode de vacances de beaucoup, beaucoup d'Antillais. Donc c'est sûr que une fois, je dirais, l'émotion passée, parce que de toute façon c'est une période douloureuse, c'est une période difficile, c'est une situation inédite pour la planète entière. Donc on comprend aussi l'émotion, on comprend quelque part le questionnement de l'ensemble de nos clients et nos amis des Antilles. Mais une fois que, en fait, je l'espère, cette pandémie sera jugulée, de toute façon on va revenir proposer ces croisières qui sont très belles, qui représentent certainement la plus belle croisière qu'on puisse offrir l'hiver dans le catalogue de Costa. La question maintenant, c'est comment éviter le Costa et plus généralement la croisière bashing pour la saison prochaine. Vos équipes marketing vont devoir déployer des trésors d'ingéniosité là. Désolé, la ligne est très mauvaise. Alors, je pense que le challenge, c'est de travailler sur la communication. Travailler sur une communication la plus, je dirais, la plus sensible sur la proposition. Bien. Bon, écoutez, on va s'en tenir là. Merci. Merci beaucoup, Georges Azouz. Je rappelle que vous êtes le président de Costa France et que vous étiez en direct avec nous sur les antennes de TV et de FM RTL Radio. Désolé, mais la ligne, décidément, nous joue des tours et n'est pas très bonne. On va donc, oui. Voilà. On va vous libérer. Merci à vous, en tout cas, Georges Azouz, d'avoir répondu en direct à nos questions dans cette édition spéciale. Les artistes se mobilisent en Guadeloupe et prennent des initiatives pour sensibiliser la population face au Covid-19, sensibilisation sur la nécessité, évidemment, de rester à la maison pour faire obstacle au coronavirus. Regardez ce beau message mettant en avant les personnels soignants du CHU de Guadeloupe avec la voix de Missier Sadik. Rivé pas l'en mer, pas ciel, y pas ni frontière, y
qui a passé des moun en moun et puis juste mettre mon cimetière. A pas parce qu'il n'y a pas avoué ou pas senti qu'il n'y a pas là. Si ou pas prend précaution, il peut foudroyer. Coronavirus là est bien présent. Et j'a fait un long mot si la tête depuis là. Riche, pauvre, mon a tout coulé. Mais faux virus là, ça savent que nous pas paye. Qui docteur, qui infirmier, qui aide-soignant et d'autres encore. Nous là au combat. Nous tout bout pour paix pour nous. Et nous qui gagnons. C'est bien qu'on va demander. Restez à Gaza. Avec la voix de Missier Sadik et ce message qu'on ne répétera jamais assez. Restez chez vous et c'est l'occasion aussi d'envoyer la force au personnel soignant du CHU et de tous les établissements de soins de notre archipel. Le personnel soignant qui est en première ligne et au combat donc face au coronavirus. Nous sommes en ligne à présent avec Jean-Claude Rode. Bonjour Jean-Claude Rode. Bonjour Thierry, bonjour aux auditeurs et aux spectateurs de TV. Vous êtes le directeur de publication du Progrès Social, le Progrès Social qui a sorti un numéro spécial, Covid-19, c'est bien ça? Tout à fait, en fin de semaine dernière, parce que comme tout le monde, nous sommes confinés, mais ça n'empêche pas que nos Progrès Social, nos journalistes et nos reporters continuent à être sur le terrain, continuent à réfléchir, à analyser aussi cette situation qui est tout à fait exceptionnelle. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé de sortir un numéro qu'on a mis gratuitement en ligne pour que tout le monde puisse y avoir accès. D'autant plus que la diffusion papier est restreinte, comme vous le savez, parce que le public n'a pas accès à tous les points de vente. Donc, exceptionnellement, on a décidé de mettre ce numéro-là en ligne à la disposition de tous. Gratuitement, évidemment. Hein. Oui, bien sûr, gratuitement, puisque c'est pas évident pour nos lecteurs et pour la population générale de se déplacer pour acheter le journal. Et donc, ce que nous avons fait comme numéro, ça nous paraissait essentiel à la fois de faire un point sur la situation générale en Guadeloupe, mais aussi dans la Caraïbe. Et mais également de donner à réfléchir et analyser aux Guadeloupéens sur sur la situation actuelle, mais sur notre devenir et ce que cette crise-là aussi peut amener comme changement dans notre société, dans notre façon de vivre au quotidien. Et nous avons essayé également aussi d'analyser la réaction, je dirais, de nos dirigeants, de nos gouvernants, tant du point de vue de l'État que du point de vue des collectivités. Et là aussi, nous pensons que cela va amener nécessairement un certain nombre de changements. Et il se trouve que nous sommes encore dans une période électorale. Mais c'est vrai que cette crise-là donne des éléments à réfléchir aux électeurs au moment peut-être de mettre leur bulletin dans l'urne pour les élections qui seront refaites.
Mais c'est vrai, justement, oui, on était dans la bataille des élections il y a peu encore. On constate aujourd'hui que les élus, hein, quels qu'ils soient, de quelque bord politique qu'ils soient, sont constamment décriés en ce moment. Comment expliquez-vous ça ? Alors, on l'explique depuis très longtemps, en fait. La crise actuelle n'a fait que faire ressortir cette faiblesse, je dirais, qu'ont nos élus qui sont trop souvent le nez dans le guidon, c'est-à-dire qui manquent de perspective, de vision d'avenir, de vision globale. Et lorsqu'on a affaire à ce type de crise, il est absolument nécessaire justement de prendre de la hauteur et d'examiner les événements avec un certain nombre de capacités à réfléchir et à voir les choses de manière plus globale. Et c'est ce qui manque, je pense, en général à nos élus. Et en particulier, si vous vous souvenez bien, la période qui a précédé le premier tour, c'est une période où justement tous nos élus étaient très affairés à s'occuper de l'élection municipale, qu'ils soient candidats ou pas d'ailleurs. Et de ce fait, ils ont laissé le champ libre, je dirais, aux représentants de l'État, les deux représentants de l'État, que sont le préfet et la directrice de l'ARS, qui ont eu, libre champ à gérer, à manager, sans avoir besoin de prendre la tâche de nos élus, qui étaient d'ailleurs eux-mêmes pas très concernés par l'épidémie qui arrivait sur nous. Et ça, nous trouvons que c'est grave parce que non seulement ça met hors du coup nos élus, qui sont nos élus de proximité, parce que les maires, c'est des élus de proximité, et cette épidémie, elle touche la population dans son quotidien. Donc ce sont des gens qui, qu'ils soient candidats ou qu'ils soient maires sortants, auraient dû être en première ligne et auraient dû donner leur avis sur ce qui se passe sur le terrain, etc. Et ça, on ne l'a pas vu. Et on a constaté qu'après l'élection, après le premier tour, comme le second tour avait été repoussé, et bien à ce moment-là, certains un peu sont sortis du bois, je dirais, et ont commencé à entreprendre un certain nombre d'actions. Mais ils n'avaient plus la main, en quelque sorte. Et donc, on se retrouve un peu dirigé par l'administration d'État et au moment où, je pense, les Guadeloupéens avaient besoin d'avoir des appuis, d'avoir des dirigeants qui dirigent véritablement et qui donnent leur point de vue, parce que nous sommes quand même à 7000 km de Paris. Et donc, si nous sommes coupés du monde, il faut bien que ce soit les gens du pays qui se prennent en charge, tant au niveau de la population que des élus. On ne peut pas se contenter simplement d'appliquer des directives qui sont faites pour le Grand Est, pour l'Île-de-France, mais qui ne sont pas forcément adaptées à notre situation. Et là, on n'avait personne en face pour donner un point de vue qui soit purement guadeloupéen. Très bien. Vous êtes également porte-parole de l'Union des journalistes et des médias guadeloupéens, vice-président aussi de l'UPF International. Votre regard sur la gestion de cette crise par les médias locaux ? Alors, nous, ce qu'on a constaté en discutant avec plusieurs journalistes et aussi représentants de dirigeants de médias, c'est que la plupart des médias guadeloupéens se sont adaptés, se sont réorganisés et pour être justement au plus près de la population, sauf malheureusement la radio et la télé d'État, sur lesquelles beaucoup de gens s'interrogent lorsqu'on voit le journal filmé du soir. Et d'autant plus qu'en Martinique et en Guyane, ce n'est pas du tout le cas, puisque les journaux télévisés du soir en Guyane et en Martinique sont au contraire beaucoup plus étoffés que d'habitude. Et chez nous, on a l'impression qu'on a droit à la portion congouille. Et ça étonne et ça interpelle beaucoup.
Et par contre, il faut féliciter, je crois, tous les autres médias audiovisuels, qui sont les médias de l'immédiateté, en quelque sorte, comparativement à nous qui sommes un hebdomadaire, donc qui prenons un peu plus de champ et de recul. Mais en l'absence notamment du quotidien, ce sont les radios, ce sont les télévisions qui relaient de manière la plus immédiate les informations. Et là, on ne peut que se féliciter du travail qui a été effectué par la quasi-totalité des médias audiovisuels, sauf malheureusement la télé et la radio d'État. Bien, ben écoutez, comme on dit, vous êtes responsable de vos propos, Jean-Claude Rode. Tout à fait, non, mais c'est une réalité. Je pense que tout le monde le voit, tout le monde le dit. C'est pas quelque chose qu'on a inventé. Et même au sein de la télé, de la télé d'État, il y a des débats, je sais, qui portent justement sur la façon dont cette crise est traitée par eux. Et donc c'est regrettable. Je pense qu'il y aura des décisions à prendre par la suite. Et surtout relativement, comme je le dis, il suffit de regarder les Guyane première ou Martinique première et vous verrez la différence immédiatement, ça saute aux yeux. Très bien. Merci à vous, Jean-Claude Rode, d'avoir été en direct avec nous. Je voulais juste rajouter quelque chose. Au Progrès social, ça fait très longtemps, ça fait plus d'une vingtaine d'années que on s'intéresse à l'actualité de la Caraïbe. Et dans ce numéro, justement, bon, évidemment, c'était une actualité qui était orientée sur le coronavirus. Et on a donné, j'invite donc tout le monde à lire ces pages sur la Caraïbe, où on donne, même si les chiffres ont évolué, on montre comment les gens réagissent. Et c'est assez singulier de voir que certains, même en période de crise, ils continuent à faire du business parce qu'il faut bien vivre, comme on dit. Et donc, c'est très instructif de s'intéresser à ce que font nos voisins. Une question en mène une autre. Je sais que vous êtes en relation, en réseau avec nos confrères journalistes de la Caraïbe. Oui. Oui. Et d'ailleurs, oui. Oui, mais voilà. Donc c'était un peu le deuxième. Donc de la Caraïbe, donc aussi bien. Je pense que certains d'entre vous sont au courant de ce qui se passe, notamment à Saint-Domingue, mais aussi dans les autres îles anglophones. Mais également, alors je voulais peut-être faire un point, même si on n'en parle pas trop dans cette édition, sur ce qui se passe dans le monde, parce que vous êtes bien rendu compte que depuis la crise du coronavirus, on a l'impression que toutes les autres actualités se sont un peu mises de côté, mais dans les autres pays, il y a un certain nombre de choses qui se passent. Il y a eu l'État, il y a eu le tremblement de terre, il y a eu tout ça. Et à travers le réseau de l'UPF, nous avons justement des informations, aussi bien concernant l'Afrique que concernant l'Europe de l'Est, ou même concernant certains pays comme le Vietnam, etc. Et on se rend compte que là aussi, il y a des pays qui font en fonction des moyens dont ils disposent. Mais ce qui est singulier, c'est que tout le monde, lorsqu'on regarde bien, tout le monde est obligé de se confiner. Et donc, on ne peut que redire de nouveau à nos concitoyens de Guadeloupe, restez chez vous, confinez-vous, car pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution. Et moins on va se confiner, plus la crise va durer. Très bien. Merci à vous, Jean-Claude Rode, directeur de publication du Progrès social. Nous poursuivons. Merci Jean-Claude et toutes nos amitiés, bien évidemment. Nous allons partir dans un instant du côté de Pointe-Noire, du côté du parc aquacole de Pointe-Noire. Nous serons en ligne avec François Herman, le directeur du parc aquacole, qui est obligé, comme bon nombre d'entreprises, et particulièrement pour son activité, obligé de s'adapter à cette crise du coronavirus. Et je vous propose, avant d'avoir M. Herman en ligne, de regarder ce petit reportage. M. Herman. Il n'y vit pas l'homme.
Bonjour, merci à tous pour vos messages de solidarité. Effectivement, notre ferme marine à Pointe-Noire peut vous livrer du loup caraïbe. Nous nous réorganisons pour être en capacité de proposer directement aux particuliers. Tout ça demande de l'organisation, c'est nouveau pour nous. On vous demande un peu de compréhension, un peu de patience. Actuellement, nous centralisons les commandes. Nous vous demandons de privilégier les commandes par mail à notre adresse mail océan@orange.fr, le tout en minuscules, sans accent. À partir de là, nous centralisons les communes. Les commandes par commune, et nous allons planifier des jours de livraison par commune. Nous sommes tenus par les arrêtés préfectoraux à des points fixes et des autorisations. Donc nous ne pourrons pas aller livrer sur de multiples endroits. Nous vous demandons de vous tenir informés sur la page Facebook. On est en train de planifier les rotations de livraison sur la semaine prochaine. D'ores et déjà, l'ensemble des commandes reçues à ce jour, aujourd'hui, nous sommes samedi 4 avril, on est déjà full pour la semaine prochaine. Donc les commandes qui vont arriver ensuite seront planifiées sur la semaine suivante. Nous sommes une petite ferme, notre capacité de traitement de produits et de livraison est de 1,5 tonne par semaine. On a déjà largement dépassé ça. Donc on va étaler dans le temps, ne vous inquiétez pas. Et l'objectif, c'est évidemment d'arriver à pérenniser tout ça sur le long terme pour que les producteurs locaux puissent effectivement fournir directement la population locale. Merci pour votre compréhension, nous comptons sur vous. Un peu de patience, on va s'améliorer. Voilà, donc François Herman, vous êtes en ligne avec nous, vous êtes le directeur du parc aquacole de Pointe-Noire, bonjour. Bonjour. Il était nécessaire, obligatoire pour vous de vous organiser face à cette crise qui impacte votre activité comme l'activité de toutes les entreprises de la Guadeloupe. Tout à fait. Alors, c'est une situation absolument nouvelle pour nous parce que jusqu'à maintenant, alors on travaillait déjà en circuit court, mais en fait, nos clients étaient principalement les hôtels-restaurants, bon, qui malheureusement ont tous dû s'arrêter. J'espère que ça fera pas trop de cash chez eux parce qu'on a aussi besoin d'eux. Mais nous, du coup, c'est un arrêt total du chiffre d'affaires à partir de la période de confinement. Donc, on s'est dit, il faut peut-être essayer de développer quelque chose pour produire et amener nos produits vers la population locale. Donc ça se met en place, c'est une nouvelle organisation pour nous, c'est totalement nouveau, on n'est pas outillé aujourd'hui, on s'améliore comme je dis d'heure en heure. Et ce qu'on demande aux gens, donc, c'est de passer leurs commandes déjà par internet, par email, parce que là on n'arrive pas à faire face entre les Messenger, les Facebook, les SMS, les WhatsApp, ça devient trop compliqué. On reste une petite équipe, une ferme artisanale. Donc de toute façon, nos capacités de production et de traitement de produits, elles n'ont pas évolué depuis 15 jours. Ce sont toujours les mêmes choses. Moi, il faut savoir qu'un poisson met un an à grossir. Donc j'ai aussi dans mes cages un stock de poissons limité. On fait au mieux pour répondre à la demande. Tout ça se met en place. On est déjà plein au niveau des demandes là, sur les 10 prochains jours. Donc les nouvelles demandes qui vont arriver, ça va être un temps d'attente d'une dizaine de jours. Donc je demande aux gens d'être patients, d'être indulgents surtout, qu'ils comprennent bien que nous, on est en train de changer de métier là, quasiment. Qu'est-ce qui change pour vous en termes d'organisation? Vous n'avez pas de problème de production à vous entendre là? Non. Ce qui change pour nous en termes d'organisation, c'est de traiter des demandes de particuliers. Vous voyez, comme je vous disais, nous, c'était chaque semaine une cinquantaine de clients sur l'hôtellerie-restauration. Là, on est à 1500 demandes déjà sur 3 jours. Donc c'est des demandes individuelles, c'est des plus petites quantités, en termes de logistique, c'est un peu plus compliqué pour nous à traiter. Et aujourd'hui, on n'a pas les outils, numériques pour permettre de centraliser ces commandes. On est en train de mettre ça en place. J'espère que d'ici une semaine à 10 jours, ça fonctionnera. Et voilà, pour l'instant, c'est du traitement quasiment manuel. C'est-à-dire qu'on reçoit un email, on prend la commande, on met ça dans un tableau Excel, on essaye de regrouper par commune et voilà. Donc on n'est pas, comme je vous disais, on n'était pas outillé, on n'est pas Amazon, comme je dis aussi, on n'a pas l'habitude de travailler comme ça, c'est nouveau pour nous, c'est une nouvelle approche, il faut qu'on s'organise. Et donc en fait, votre clientèle a muté, donc vous avez beaucoup plus de particuliers là maintenant. Et oui, nous on vendait à peine 5% de notre production auprès des particuliers, parce que d'abord on le reconnaît, on n'est pas très bon en communication. Mais bon, ça fonctionnait très bien avec l'hôtellerie-restauration, ça nous suffisait. Donc là, aujourd'hui, sans ce chaînon de la chaîne, évidemment, il faut aller directement auprès du consommateur. Donc, je vous dis, c'est un changement d'échelle dans la quantité de demandes à traiter. C'est un changement de façon de travailler parce qu'il va falloir préparer des commandes, arriver avec des sachets pré-pesés pour pouvoir faire en sorte d'éviter les temps d'attente et les contacts au moment de livraison.
C'est ça. Donc voilà, c'est nouveau. Oui. Et vous produisez, histoire de le rappeler, quel type de poisson Alors nous produisons un poisson qui s'appelle le loup caraïbe. Son nom vernaculaire, c'est Lombrine osselée. C'est un poisson de la famille du maigre, pour ceux qui sont un peu connaisseurs, mm-hmm. qui ressemble beaucoup au loup de Méditerranée ou au bar breton. C'est un poisson très fin, qui n'est pas rouge, hein, je le précise, parce que souvent nos compatriotes nous disent « Ah, il n'est pas rouge ». Bah oui, non, mais il faut le goûter, il est très bon. Voilà, donc pour l'instant, c'est le seul poisson qu'on peut proposer. Oui, en plus, c'est le carême, donc le carême, c'est poisson. Donc oui, on est en confinement, on est en plein carême, donc normal que vous ayez eu autant de demandes. C'est normal et c'est surtout, je dis, très encourageant pour le futur, parce qu'on essaye, nous, de se projeter au-delà de la crise. Oui. Ça fait 20 ans qu'on milite pour le développement d'une aquaculture locale qui débouche sur des produits de qualité. Aujourd'hui, on est un peu seul et on aimerait que demain, ça y est, on reconnaisse enfin que cette filière a une utilité et on s'en rend compte, la Guadeloupe doit maintenant produire son alimentation de façon plus significative. Hein. Comme je le dis, on travaillait donc avec l'hôtellerie-restauration, lesquels avaient principalement pour clients des gens qui prenaient l'avion, qui faisaient des milliers de kilomètres. Nos producteurs locaux, pour l'essentiel en agriculture, produisent des bananes qui repartent de l'autre côté de la planète. Et notre population locale, elle mange des poissons qui viennent du monde entier. Donc elle cherchait l'erreur. Très bien. Donc de bonnes perspectives pour vous, pour l'avenir. En tout cas, vous y croyez? On l'espère. Ben alors tout ça prend du temps. Hein. Il faut savoir qu'un poisson, c'est comme je disais, c'est un an le cycle. Moi, c'est pas des laitues. J'aimerais bien faire des choses qui ne prennent que 3 semaines. Donc ça prend un petit peu de temps. Donc on est obligé de se planifier, de se projeter. Et il va falloir effectivement investir, se structurer davantage. Et on aimerait bien que derrière cette crise, on ait une vraie réflexion sur l'ensemble de la production locale, qu'on se mette tous autour d'une table pour réfléchir à la façon de pouvoir fonctionner différemment. Mmh. Très bien, merci. Merci à vous, François Herman, gérant donc de l'entreprise Océan, donc du parc aquacole de Pointe-Noire. Merci d'avoir répondu en direct à nos questions et bonne continuation à vous. Merci à vous et bonne journée, bon courage et bon confinement. Merci. Édition spéciale ETV, EFM, RTL, Guadeloupe, c'est notre rendez-vous quotidien, comme vous le savez, du lundi au vendredi, avec des rediffusions multiples sur les antennes de TV. Vous nous écoutez également en radio, sur les fréquences que je vais vous rappeler, 96, 101 et 103.2, ce sont les fréquences de FM, RTL, Guadeloupe, et donc cette émission est à vivre tous les jours en simultané, en radio et en télévision sur notre antenne.